Bonjour à tous, vous êtes bien sur Canal 10 et vous êtes aussi dans le ZCL en direct de RHT, la radio qui diffuse notre talk quotidien. Je vous salue tous, si vous êtes encore à table, bon appétit. Vous êtes avec nous au moins jusqu'à 14h et aussi avec Mandy. Tout à l'heure, on va parler d'information, mais avant, on va recevoir M. Edouard Stack et Mme Stack. Tous les deux, ce sont des respirologues. Vous ne savez pas ce que c'est, vous allez le découvrir comme moi tout à l'heure. Ensuite, nous allons recevoir Didier Destouches qui viendra avec nous décrypter un petit peu les élections de du week-end dernier, aussi bien en France qu'en Guadeloupe. Et puis nous aurons, comme chaque semaine, désormais, la rubrique, on peut dire nutritionniste, mais aussi un peu plus que ça, de Suzy Zosu. Voilà un petit peu le sommaire de nos invités de ce mardi. Et tout de suite, l'information, c'est avec Mandy. Merci Danick, bonjour à vous tous qui nous suivez effectivement en direct de RHT Guadeloupe et le ZCL.tv. Voyons donc ce qui fait l'actualité donc de ce mardi 20 juin. Et ça bouge à nouveau du côté des routes de Guadeloupe suite à plusieurs demandes de réouverture de négociations faites par l'UTC-UGTG et un refus volontaire de la direction de routes de Guadeloupe. Donc, eh bien, ils ont déposé une plateforme de revendication concernant l'ensemble des agents de l'établissement, faisant suite donc au mouvement de grève du 15 mai dernier. Et ce matin, c'était la sortie de la bande dessinée La Fugue, réalisée par les élèves de la SEGPA du collège Front de Mer durant l'année scolaire 2017. Nous verrons les images dans un instant et on terminera avec donc la stratégie de la collectivité départementale visant à promouvoir la culture. Et bien, Madame Borel L'Incertain s'est rendue hier matin au musée départemental Chercheur de Pointe-à-Pitre afin de faire le point sur cette étape, donc sur ce chantier. Merci, reprenez votre souffle, Mandy. On va parler de respirologie. bonjour à vous deux, monsieur Stack et madame Stack. Merci d'être avec nous. Alors, je disais tout à l'heure, la respirologie, bon, j'en ai entendu parler, mais en fait, je ne connais pas tous les secrets de cette. C'est une science ou c'est une pratique? Visez juste. Oui, la respirologie, c'est, on pourrait dire, la science de la fonction respiratoire dans toutes ses modalités. D'accord. Voilà. Et ça s'applique à qui, à comment, quoi, pourquoi? Ça s'applique à nous tous, oui. puisque ça fait partie de notre santé globale. Nous respirons tous de façon spontanée et donc automatique. Et nous travaillons au travers de notre méthode sur la respiration consciente et donc une plus grande conscience de soi au travers de différentes techniques, mais globalement une méthode transversale. Alors Edouard Stack, ça signifie que nous respirons sans savoir que nous respirons et aujourd'hui, avec la respirologie, on réapprend à respirer, c'est ça? Alors, en France, en Occident, on respire inconsciemment 12 fois par minute, entre 8 et 12 fois, avec 15% de sa capacité thoracique, ce qui n'est pas grand-chose. Oui. En fait, pour absorber l'énergie des aliments, il faut amener l'apport d'oxygène. Et si on ne respire pas suffisamment, le feu ne brûle pas assez fort dans la cheminée. Oui. Et donc, c'est vraiment essentiel de respirer consciemment. Mais Georges Clemenceau, qui était médecin, disait « Il faudra se rappeler nos frères indiens et asiatiques qui nous ont précédés dans la civilisation. » La science médicale en Chine et en Inde, c'est 3000 ans d'histoire. Oui. Et les techniques du corps et les techniques du souffle sont extrêmement largement développées. Et j'ai eu la chance, après mes études en France, d'aller au Japon, puis d'emmener des médecins en Chine et d'approfondir ces techniques qu'on a intégrées dans la méthode Vital Respire. C'est ce mélange de méthodes scientifiques, connaissances scientifiques, neurosciences, médecine et pratiques traditionnelles qu'il s'agit d'enseigner de manière simple, non seulement à tout le monde, puisque c'est un atout pour la santé de respirer consciemment, oui. On est plus détendu, on gère mieux ses émotions, mais de former les professionnels pour qu'ils puissent transmettre le plus largement possible ce savoir-faire. Voilà. Au grand public. D'accord. Alors, c'est... Oui, allez-y, oui c'est une chose de respirer consciemment et c'en est une autre de savoir quelles modalités respiratoires nous utilisons et avec quels impacts sur notre physiologie, sur notre psychologie, sur notre capital énergétique ou psychique ou épsychique. Et donc au travers de cette méthode, c'est toute cette compréhension que nous transmettons aux professionnels de l'accompagnement, de l'éducation, du sport. Des entraîneurs sportifs, d'athlètes de haut niveau, par exemple. C'est tous ces impacts que nous connaissons moins. Et donc, du coup, on ne sait pas se servir de ce pour quoi on est fait, ce qu'on a en magasin. Alors, voilà. Ça signifie qu'un footballeur ou un basketteur, par exemple, qui s'entraîne, ou bien même un joggeur tout simple comme moi, le matin, je vais courir au bord de la plage. Si j'intégrais votre méthode, je bénéficierais autant davantage
de possibilités de mes poumons. Par exemple, si vous nous dites comment vous courez. Oui. Alors parlons du jogger. On vous dira comment vous pourrez mieux faire. Chaque individu a ses modalités respiratoires, mais la plupart des sportifs respirent avec le haut de la poitrine et pas du tout avec le diaphragme, qui est un piston très puissant qui descend dans le ventre pour attirer la base des poumons, qui est la respiration la plus efficace. Et le diaphragme postérieur libère les surrénales, qui sont les pompes à adrénaline. Donc quand je travaille avec un boxeur, Philippe Michel, qui était champion de France en mi-lourd professionnel, pour qu'il gère mieux sa pression, son stress, son émotion, il sera moins fatigable, plus stable, plus concentré pendant la compétition. Donc c'est un atout supplémentaire. C'est un atout considérable. J'ai fait courir moi des milliers de personnes en leur faisant faire des semi-marathons et en les entraînant. On se fatigue moins pour faire la même chose. En Asie, on dit il faut avoir l'esprit vigilant, le corps détendu. Il faut avoir l'esprit. L'esprit vigilant, le corps détendu. D'accord. Et donc chercher la détente permanente, même dans l'action. Respirer amplement en étant concentré. C'est une façon d'être beaucoup plus efficace. Pour regarder les arts martiaux japonais, par exemple, c'est une bonne démonstration de ce genre d'attitude. Oui. Mais en fait, tout le monde peut l'apprendre, ce n'est pas réservé aux champions. Les gens peuvent s'entraîner à respirer consciemment en marchant dans la rue et observer la durée de l'inspire, la durée de l'expire, et en prenant leur temps, ils vont se détendre tout en étant actifs, simplement en allongeant le cycle respiratoire, en prenant leur temps, une respiration très ample. Dans le cas de la course à pied, par exemple, la plupart du temps, le coureur va se mettre en hyperventilation. C'est-à-dire en hyperventilation. Oui, et ça c'est très mauvais. De l'hyperventilation. Oui. Sauf que ça accélère le rythme cardiaque, cette hyperventilation. Donc tout le bénéfice dans la course à pied, c'est de pouvoir ralentir son cœur. Et plus je vais expirer longtemps, longuement, lentement, plus mon cœur va ralentir et se mettre au service de ma course. C'est quand même ça qui est recherché. Oui, mais ça, pour un coureur de fond, mais pour un coureur de 100 mètres, il a besoin au contraire d'énergie. Oui, effectivement, pour un coureur de 100 mètres. Je parlais de la course de fond. D'endurance. D'endurance, absolument. Alors, votre méthode... Ou même la course du dimanche. Oui, bien sûr, c'est la course du dimanche. Alors, votre méthode, elle s'applique aussi bien aux enfants qu'aux adultes, ou alors il y a une catégorie d'âge où on peut réapprendre à respirer. On est intervenu avec le club du troisième âge, avec beaucoup de bénéfices. Les gens étaient très contents de se rappeler que la respiration les aide à mieux vivre et plus détendu. Quand on vieillit, on devient plus anxieux. Oui. Et du coup, se tranquilliser en appréciant l'instant qui passe, se sentir mieux, plus relax, c'est vraiment un atout pour les personnes âgées. Et en fait, il n'y a pas de limite tant qu'on n'est pas grabataire. On peut continuer à bouger. Tranquillement, le Qigong, par exemple, des Chinois, le mouvement en ralenti, on peut le faire même assis quand on a des difficultés pour se déplacer, pour marcher. Donc, respirer, bouger, c'est vraiment fondamental et c'est vrai pour tous les âges. Les enfants d'âge scolaire peuvent apprendre à être plus attentifs pendant le moment où ils étudient et puis ensuite se lâcher pour crier, sauter et libérer leur énergie parce qu'ils sont assis beaucoup trop longtemps à l'école. Alors, j'essaie de comprendre concrètement, quelqu'un qui vient à la télévision pour la première fois, qui a un stress incroyable, en quoi la respirologie peut l'aider à surmonter son stress? Alors, il y a des réflexes de relaxation qui sont préprogrammés dans le cerveau. Quand vous endormez le soir, vous basculez du système sympathique et l'énergie pour l'action dans le système parasympathique. Si simplement, comme je le disais tout à l'heure, vous prenez le temps d'inspirer très lentement, d'expirer très lentement, et vous le faites une demi-douzaine de fois, vous allez vous calmer parce que c'est un code d'accès au cerveau, au système nerveux, au système endocrinien. Donc ça vous met en état de récupération et de détente. Le diamètre de vos artères augmente et la circulation se fait mieux. Si vous êtes stressé, anxieux, le diamètre de vos artères diminue et vous avez les mains froides, même s'il fait chaud. Et la méthode Vital Respire n'est pas seulement une méthode pour se relaxer et pour se détendre. J'imagine. La gestion du stress ne se fait pas uniquement en détente. Par exemple, quelqu'un qui en permanence a accès à des méthodes pour se relaxer, se détendre, se recycler, et jamais pour se dynamiser, il va cultiver une forme d'hypotonicité, musculaire. Bah oui. D'accord. Oui, en gros, il va devenir un peu végétal, voire...
Voilà. Et donc, c'est un mélange. En fait, c'est... Il faut les deux. Et oui. Et c'est lié à notre système nerveux que nous avons tous. Il y a une branche système nerveux neurovégétatif avec le système sympathique qui est le système d'action et le système parasympathique qui est le système de recyclage. Donc, c'est comme dans une voiture. Il y a l'accélérateur, la pédale pour accélérer et puis la pédale pour embrayer, pour changer de vitesse, pour rétrograder. Par exemple, pour les équipes de rugby qui affrontent l'Afrique du Sud ou la Nouvelle-Zélande, il vaut mieux savoir faire l'équivalent du haka des Néo-Zélandais pour se préparer au combat en allant mobiliser le cerveau reptilien, l'énergie archaïque, l'énergie animale. Et l'entraînement permet, j'enseignais ça à 10 000 managers dans le monde entier, parce que ça fait partie de leur combativité dans leur façon de pouvoir s'affirmer, dire les choses, se confronter à des situations difficiles. Ça fait partie de la gestion du stress aussi. Oui, j'imagine. Alors, je comprends bien, et tes spectateurs qui nous regardent ne manqueront pas de poser la question, je la pose pour eux. Ça n'a rien à voir avec les maladies respiratoires. Non. Ça n'est pas de l'éducation thérapeutique ou du travail thérapeutique pour les pathologies. C'est pédagogique. J'ai soigné les asthmatiques comme kinésithérapeute, mais aujourd'hui, c'est apprendre à respirer de toutes les manières. Par exemple, les enfants au lycée, pour trouver plus de confort, être plus confiants en eux-mêmes, ont intérêt à faire du théâtre, du chant pour s'exprimer, au fond exprimer leur sensibilité, leurs émotions. Et pour ça, le souffle, c'est la matière première. Donc, les entraîner à se familiariser avec leur corps, c'est une façon de les amener à être mieux dans leur peau et plus à l'aise pour s'exprimer. Oui. Respirer mieux et vivre mieux, en fait, c'est ça. Absolument, c'est un de nos slogans. Bon, alors, par ailleurs... comment vous exercez vos talents ici, enfin, puisque là on explique, mais en fait, si je comprends bien, vous faites soit du coaching individualisé ou en groupe, comment vous travaillez? Alors, nous avons lancé, je dirais, la méthode qui est décrite globalement dans le livre Les Vertus de la Respiration. Nous avons lancé en 2008-2011. Voilà, très bien. Les Vertus de la Respiration, aux éditions Guitéry Daniel, et qui coûte seulement 16 euros. Ouais, et qu'on peut trouver à la librairie Jazor. On peut trouver chez Jazor. Absolument. Alors justement, en février dernier, nous avons fait une conférence et lancé la respirologie en Guadeloupe. Et vous étiez les premiers, j'imagine. Oui. Et nous sommes les seuls, et dans l'Hexagone, et ici, à avoir synthétisé cette méthode de respirologie au travers de 4 axes, puisque aujourd'hui, on trouve principalement des méthodes pour se relaxer, pour se détendre, un peu se dynamiser avec la sophrologie, par exemple, mais c'est plus la vision ou l'objectif est de se détendre et de se relaxer. Et on pourra dire que c'est chaque chapelle, c'est assez cloisonné. Moi, j'ai été formée au yoga et je pratique le yoga depuis 30 ans. J'allais y venir poser, est-ce qu'il y avait une transversalité entre le yoga et la respirologie? Absolument. Oui, parce qu'effectivement, la méthode Vital Respire, c'est une méthode qui rassemble au moins 50 ans de recherche scientifique et qui est basée vraiment, qui est une méthode transversale, qui est basée aussi bien sur la médecine que les neurosciences, que la psychologie, que les thérapies cognitivo-comportementales, que l'entraînement des athlètes. Donc c'est quelque chose de très transversal et puis qui prend en compte toute cette science, je dirais, et en même temps les pratiques traditionnelles, anciennes et aussi modernes, puisque les thérapies cognitivo-comportementales sont plutôt modernes. Et les pratiques traditionnelles, c'est le pranayama du yoga, c'est aussi le tai chi, le qigong. Et donc, plutôt que d'isoler, d'exclure, on a choisi d'inclure et de rassembler, de synthétiser toutes ces pratiques pour les rendre absolument accessibles à tous. Mais alors, comment on se forme à la respirologie? Alors, en Guadeloupe, on va lancer fin septembre le premier cycle de formation certifiante pour les professionnels. Certifiante, vous avez dit. Oui. Certifiante, oui. C'est-à-dire que les gens, au bout de 8 jours très intensifs, auront une nouvelle compétence dans leur arsenal, que ce soit des professeurs d'éducation physique, des coachs sportifs, des psychologues, des kinés. Ils pourront transmettre cette éducation à la santé au travers de la respiration.
à leur public, mais ça pourrait être un prof de français qui l'enseigne ou un prof de SVT qui l'enseigne à vos enfants théâtre, à l'école. Ou de théâtre aussi. Pardon ? Ou de théâtre. Oui, mais les artistes, c'est une population plus restreinte, mais pensons à tous les enfants ou tous les adultes qui vont comme amateurs faire du chant, du théâtre, de la danse et qui ont besoin. On va faire une conférence bientôt pour un club de gymnastique volontaire, il y en a dans toute la France, et les instructeurs des clubs de gymnastique volontaire pourront apprendre la méthode pour la transmettre au grand public dans tout l'Hexagone. Alors, vous allez être disponible où exactement ? Pardon ? Vous serez disponible où ? C'est-à-dire où vous exercez vos... Alors, nous sommes basés à Paris, proche de Paris. Mais vous êtes en Guadeloupe ici. Et en Guadeloupe, voilà, nous avons des personnes relais qui ont été formées déjà. Déjà, nous venons fin septembre pour démarrer la formation sur 4 jours. Ah, vous êtes juste de passage. Le 29-30, on est de passage. Et on revient 29-30 septembre 1er et 2 octobre prochain pour démarrer la formation, les deux premiers modules. Oui. Et les deux derniers modules ont lieu en mars 2018, du 16 au 19 mars. Et les gens trouveront l'information sur le site www.respirologie-france.com. Donc, c'est, en fait, là, vous faites un peu, on va dire, de la promotion de ce Absolument. Que vous allez faire au mois de septembre, oui. en fait, c'est ça ? Oui. Pas de signature de l'ouvrage prévu encore ? Non. Elle a été faite l'an dernier, en février dernier, chez Jazor. Voilà. Et donc, nous avons fait une réunion d'information vendredi dernier, avec beaucoup de professionnels. Et vous avez déjà beaucoup d'adeptes de respirologie en Guadeloupe ? Ah, il y a quelques convaincus, je dirais déjà, puisque nous faisons. Il y a aussi des Guadeloupéens qui viennent nous voir à Paris et qui participent à des colloques et, ou aux universités d'été que nous faisons. Et nous avons créé une association qui s'appelle l'APRES, l'association l'APRES, A-P-R-E-S, l'association de promotion de la respirologie et de l'éducation à la santé. Et on a le plaisir d'avoir un nouveau président d'honneur. Olivier Giraud, champion du monde de handball et ancien capitaine d'équipe de France, journaliste à RMC, et qui devient notre président d'honneur parce que dans le monde du sport, aussi bien pour les champions que tous les participants, beaucoup de clients, on a rencontré le nouveau directeur du CREPS de Guadeloupe samedi matin et on espère pouvoir coopérer avec les équipes d'entraîneurs sur l'ensemble du territoire au bénéfice de tous les jeunes qui ont beaucoup de talent à révéler. J'ai envie de dire que vous avez beaucoup de souffle. Merci. Faire tout ça. Oui. Bien, bon, de toute façon, on vous remercie d'être venu faire cette explication, parce que c'est vrai qu'il y a peut-être beaucoup de gens qui ne savaient pas ce qu'était la respirologie. Ils le sauront, et puis ils ont la possibilité de trouver cet ouvrage, Les vertus de la respirologie, de la respiration, chez Jazor, puisque vous l'avez dit. Et puis, rendez-vous au mois de septembre, c'est ça ? Dans lequel il y a une bonne cinquantaine d'exercices pratiques qu'ils pourront déjà découvrir et utiliser. D'accord. Il est très simple et très pratique. D'accord. Bien. Bon, merci de votre accueil. Ben, c'est nous qui vous remercions d'être venus nous porter cette information vitale et qui donne de l'air. On peut dire au moins il est 12h53 et on continue avec Mandy qui respire du bon air en ce moment. Effectivement, Danick. On démarre avec ce premier sujet, je vous le disais. Suite à plusieurs demandes de réouverture, donc des négociations faites par l'UTC-UGTG et un refus volontaire donc, de la direction, eh bien, la CGTG et l'UNSA a déposé une plateforme donc, de revendication concernant l'ensemble des agents de l'entreprise, faisant suite au mouvement de grève qui avait été déclenché le 15 mai dernier. Les syndicalistes exigent la revalorisation du régime indemnitaire, la régularisation de la NBI ou encore la révision de l'organisation du travail. Mon fils, on fait le point avec ce reportage signé Anne-Elisabeth Arsène. Nous avons appliqué depuis le 15 mai nous en grève de Guadeloupe. Donc ce n'est pas une nouvelle mobilisation, c'est une mobilisation nous qui a continué. Seulement nous crier l'ensemble des camarades à l'UGTG et nous demander à Richard les justement des revines sur une table de négociation. Et si effectivement l'UNSA qui est ici et CGTG signé, c'est bien parce que nous avons reconnaître à nos revendications. Nous avons toujours dit Chalut, c'est une revendication pour l'ensemble des travailleurs. Donc il a dit ça, il voulait, il est parti, il dit nous comme ça dernièrement. Il a consulté le conseil syndical et jusqu'à maintenant, il n'a pas eu une réponse. Donc nous avons demandé qu'il y ait justement des revenus sur une table de négociation parce que nous avons dit plusieurs fois, ce n'est qu'elle qui a signé un protocole de fin de conflit qui est fini à haute de Guadeloupe. Et pas nous temps d'étaler encore au conflit, encore plus qu'il y a de là. C'est ça que nous avons dit. Nous en grève depuis le 15 mai. Et le problème pour qu'on régler, nous continuer jusqu'à l'heure qui est réglé.
Mais nous avons rappelé aussi, nous avons fait grève 2 ans, nous avons fait grève 9 mois, donc nous payons autant qu'il voulait. Mais le problème à la route de Guadeloupe, il faut nous régler le président de la Guadeloupe. Et c'est ça que nous avons dit, puisque la revendication nous est juste, illégitime. C'est la revalorisation sous des régimes indemnitaires. C'est une délibération qui prend incident depuis 2009, qui pour les gens revaloriser. Et nous avons fait un tout collectif de Guadeloupe. Et pourquoi nous ne pas faire route de Guadeloupe? Alors, Richard Esquivini, qui est signé ici, Pépa, eh bien, il est organisé, j'en voulais. Mais en tout cas, il faut nous que signions un protocole de fin de conflit sur la revendication là qu'elle nous posait là. 13h, 12h, pas encore 13h, c'est 13h dans 5 minutes, 12h et 55 minutes. On va marquer une courte page de publicité et puis on revient avec Suzy Zozio. Je pense qu'il nous réserve de belles surprises encore. Je crois. Elle nous avait averti juste avant le festival Terre de Blues. Donc on verra tout ça après la publicité. À tout de suite. Voilà, il est 13h en direct dans le ZCL. Je vous l'ai dit tout à l'heure, nous allons revenir sur les élections législatives du week-end dernier, aussi bien en Guadeloupe qu'en France. Et pour cela, eh bien, comme toujours, nous avons notre décrypteur national, Didier Détouche, qui est là. Bonjour Didier. Bonjour Danick, bonjour aux téléspectateurs. On reprend le fil de l'actualité en rappelant les titres avec Mendy avant de revenir vers Didier. Oui, effectivement, dans les titres de ce 20 juin 2017, suite à plusieurs demandes de réouverture de négociations faites par l'UTC, UGTG et un refus volontaire de la direction de route de Guadeloupe, eh bien, la CGTG et l'UNSA a déposé une plateforme de revendication concernant l'ensemble des agents de l'établissement, faisant suite donc au mouvement déclenché le 15 mai dernier. Et ce matin également, c'était la sortie de la bande dessinée La Fugue, réalisée par les élèves du SECPA du collège de Front de Mer, une présentation qui avait lieu donc ce matin. Et enfin, conformément à la stratégie de la collectivité départementale visant à promouvoir la culture, eh bien, Madame Borel Lincertain s'est rendue hier matin au musée départemental de Chelcher afin de faire un point sur les travaux. Merci à notre ami Mendy. Je lui ai dit, on va parler politique et décryptage avec Didier Détouche. Didier, le résultat dimanche, le samedi et le dimanche, d'abord samedi en Guadeloupe, vous ont surpris? Non, les résultats ne m'ont pas surpris. On savait qu'il y avait une bonne dynamique en faveur de ceux qui étaient arrivés en tête, une bonne dynamique de victoire. Et puis, il y avait également pour Max Mathiasin, compte tenu du faible écart et du faible nombre de voix et du fort taux d'abstention, il y avait une présomption quand même de dynamique qui, là, pour le coup, a permis à l'outsider de l'emporter. Et effectivement, c'est ce qui s'est produit. Alors, bien sûr, on a scruté de façon très attentive les différents ralliements. Parce que les ralliements, en fait, bien que nous soyons dans une période où les consignes de vote sont pas forcément suivies par les électeurs, en tout cas elles le sont de façon assez aléatoire. On a vu qu'il y a une différence entre le premier tour où les choses n'ont pas du tout été suivies et au deuxième tour où, selon les communes, on a suivi les consignes du maire ou on a suivi les consignes du président de parti. Mais nous sommes à une période où l'électeur veut vraiment s'émanciper des tutelles politiciennes et veut voter en son âme et conscience et même au-delà de son appartenance militante ou de ses différentes allégeances. Et donc, on a vu qu'il y a eu des stratégies d'alliance qui se sont mises en place. Dans la seconde circonscription, on a vu qu'il y avait quand même un gros monopole de ralliement et de soutien pour Justine Bénin, hein, qui a vraiment brassé très large et donc ça a permis de conforter sa dynamique. Il y a eu également une espèce de domination continue, diffuse de Madame Hélène Vainqueur. Et puis aussi on a eu, alors pour la première circonscription, c'est là où les choses ont été un peu plus compliquées parce qu'on a eu à la fois un deuxième tour relativement assez quand même virulent, très viril d'ailleurs, entre Servat, Olivier Servat et monsieur Rosan. Et on a vu que là il y avait vraiment par contre des crispations sur les différents ralliements et qu'il y a eu quelque part une forme je dirais, d'affrontement à l'ancienne classique politique, mais avec au final cette victoire d'Olivier Servat qui conforte sa position. Et au regard des scores, c'est vrai que le score d'Olivier Servat aux Abîmes est particulièrement éloquent pour la suite parce que c'est la circonscription où l'enjeu était le plus municipalisé quelque part, et de même que le score de Justine Bénin. Pas plus que Capesterre quand même. Alors Capesterre, c'est encore... alors Capesterre, tout est toujours municipalisé quelque part, surtout depuis que Joël Beaujean
Alexandre est maire de cette commune. Mais il y a d'autres communes, il n'y a pas que Capestère, bien évidemment, il y a le Moule, on le sait. Et puis il y a des communes où les maires se sont investis vraiment pour des candidates en l'occurrence comme Le Gouzier. Et c'est vrai que quand on sait que Justine Bénin, sa suppléante, c'est Guylaine Jeanne et que bien évidemment, c'est une femme qui gravite Guylaine Jeanne autour de l'entourage qui prétend à exercer les plus hautes fonctions dans cette commune, je parle notamment de sa mère Roberte Méry, eh bien on peut penser qu'il y a eu là un beaucoup politique de jouer et pour le maire, compte tenu de l'abstention et de la défaite de Diana Perrin, peut-être quelques soucis à prévoir au niveau de la majorité municipale. En attendant, permettez-moi de rappeler qu'effectivement, nous avons encore 3 ans avant les municipales, mais c'est vrai qu'on retiendra surtout que ces résultats ont surtout été des résultats de pré-municipales. Ces législatives ont servi quasiment d'antichambre aux prochaines élections municipales, d'une façon ou d'une autre d'ailleurs, même si les députés élus ne se présentaient pas pour leur commune, ce qui, à mon avis, ne serait pas forcément une bonne chose. Mais en tout cas, s'ils ne se présentent pas, de toute façon, il y a eu des frondes municipales, il y a eu des campagnes municipales derrière ces législatives et il y a des alliances en fonction des futures municipales. C'est normal parce que quelque part, l'élection municipale est la plus prisée en Guadeloupe, mais c'est aussi une élection qui désormais est jumelée avec l'élection communautaire et où il y a des enjeux de pouvoir très forts. Parfait. Une municipale ne se règle pas uniquement dans sa commune, mais avec les communes alentour. Et c'est vrai que politiquement, le territorial chez nous en Guadeloupe prend beaucoup plus le pas sur le national. Alors, je voulais revenir avec vous sur le parcours de Max Mathiasin. Alors, il n'est pas maire, il n'a pas de parti, et il réussit un véritable tour de force quand même. Il faut l'admettre, parce qu'il n'est pas soutenu par le GIEC, en tout cas pas officiellement. Il n'est pas soutenu par le PS, puisqu'il avait été exclu, poussé à la porte du PS. Il avait échoué face à Chalus récemment. Il n'est pas maire. Le maire du DE, officiellement, s'est même plaint du fait que personne n'est venu la solliciter, y compris Mathiasin, qu'il était peut-être prêt à soutenir. Et puis Mathiasin réussit un tour de force. Tout à fait. Alors, Max Mathiasin est pour moi le symbole même de ce que j'appelle le vote affectif. Ouais. C'est-à-dire un vote où une partie qui bénéficie en fait d'une partie de l'affectivité et de l'équation personnelle, donc qui renvoie à cette affectivité du candidat. Bon, c'est une personnalité qui est en politique de longue date, c'est peut-être le plus ancien politique de tous ceux qui sont élus aujourd'hui. Il est en politique depuis 1985. C'est quelqu'un qui a eu de hautes responsabilités dans la gestion notamment du Parti Socialiste, mais même avant, c'est quelqu'un qui était connu pour un certain activisme politique, notamment presque nationaliste. Et donc, c'est quelqu'un qui a une longue histoire politique. Et si vous avez une longue histoire politique, vous avez un ancrage certain au niveau de la population. C'est clair. Simplement, ces différents choix et ces différents positionnements politiques, au fur et à mesure, l'ont amené peut-être à avoir des défaites électorales successives à la mairie des Haies, aux dernières législatives, où il avait quand même tenu un peu la dragée haute hein, au candidat Richalus. Mais il n'a jamais pu avoir une victoire personnelle à son actif. Et puis, on se rend compte qu'il a connu une période particulièrement difficile où effectivement il a été mis sous la touche un petit peu du Parti Socialiste. Lui-même de toute façon voulait prendre ses distances parce qu'il y avait une mésentente avec le patron de l'époque, Victorin Lurel. Ce qui était d'autant plus étonnant qu'avant, avec l'élection de François Hollande, il avait connu avec Jocelyn Sapoty une belle heure de gloire parce qu'on voyait que lui dans les médias. Et puis, je pense qu'il y a eu une sorte de traversée du désert, même pendant les dernières régionales où Harry Chalus s'enorgueillissait d'avoir Max Mathiasin comme allié. Mais lui, il a été plutôt modeste, il n'a pas trop pris la parole. Et c'est vrai qu'on avait l'impression que c'est quelqu'un voilà, qui traversait un peu qui faisait sa traversée du désert. Et ça m'amène à dire qu'il a eu une victoire un petit peu à la Chirac, c'est-à-dire sans parti, sans quasiment personne. Et au moment où il subit ce camouflé parce qu'il devait être le candidat GUSR et Investi en Marche et où finalement le président de la région n'arrive pas, Harry Chalus n'arrive pas à l'imposer et où il se retrouve à y aller quand même tout seul, eh bien ça crée une cristallisation affective auprès de l'électorat. Et c'est quelqu'un donc qui a bénéficié d'un gros soutien, qui a fait un gros score notamment
notamment à Bemao, et qui donc a pu être élu député. Il est vrai, face à un Nestor Luce, candidat du GUSR, qui n'était pas le meilleur casting possible et qui était plutôt très effacé, pas assez charismatique. Et je rapproche l'élection de Max Mathiasin, pour finir, de celle un peu de Manuel Valls. Oui. Manuel Valls qui a connu énormément de déboires, qui a connu des camouflés, presque des humiliations, un peu comme Max Mathiasin, qui finalement se retrouve à être... Bon, c'est un peu contesté. C'est un peu contesté, c'est vrai, mais il réalise quand même un score assez intéressant pour lui, après tout ce qu'il a vécu. Alors, moi, j'aimerais qu'on s'arrête sur un autre phénomène. Globalement, bon, on a dit que, vous l'avez écrit dans un papier dans CCN d'ailleurs, que les partis aujourd'hui pèsent de moins en moins. Alors, on a vu l'investissement des GUSR pour Nestor Luce, que j'avais appelé l'inconnu à la circonscription. De l'échec. Mais alors, on ne comprend pas très bien qui a perdu, c'est le GUSR ou Chalus dans cette affaire. Parce qu'aujourd'hui, on se retrouve avec pratiquement quatre hommes de gauche, même si aujourd'hui, comment ça s'appelle, Serva est plus macronien que de gauche classique. Mais en fait, le parti du vice-président Losbar a trinqué, il faut le dire. Il n'a pas réussi son coup de force, même dans cette circonscription, y compris à Bemao. D'ailleurs, à Bemao, vous devez le savoir, Mme Polifontelle est dans le collimateur aujourd'hui de Chalus. On ne sait pas ce qui va se passer ce soir au conseil municipal, s'il va être éjecté. Donc, qui a perdu ? Est-ce, je reviens à la question, est-ce Chalus ou est-ce le GUSR ou les deux ? Alors, sur le papier, de point de vue très objectif et très global, en réalité, c'est Macron qui a gagné et pratiquement tout le monde a gagné avec lui. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, comme on est dans une période où on se demande si la Guadeloupe est en marche, on voit que la France est en marche, on voit que les résultats donnent des candidats qui veulent siéger dans la majorité présidentielle. C'est le principal objectif politique. Donc, à ce niveau-là, personne n'a gagné. Maintenant, quand on regarde l'impact de cette élection nationale sur l'échiquier politique local et l'avenir de la politique en Guadeloupe et des différents rapports de force, là, on peut parler de perdants et de gagnants. Et indéniablement, que ce soit Ary Chalus ou que ce soit le GUSR, ils sont perdants. Ary Chalus étant moins que le GUSR quand même, compte tenu de son attitude, mais il a envoyé des signaux qui ne sont pas bons pour lui en tant que président de région. Ils sont perdants pour différentes raisons. Le GUSR a eu une stratégie d'abord d'appropriation des candidatures en marche. C'est d'ailleurs un phénomène assez particulier puisque les investitures en marche devaient être données selon un casting national. Or, on se rend compte au final qu'un certain nombre de candidats avaient postulé. Ils sont même adhérents à En Marche. Je pense par exemple à Justine Binet. Et finalement, on se rend compte que pour des raisons ou d'autres, c'est certains candidats qui sont choisis localement qui obtiennent une investiture à un niveau national. Oui. Donc là, il y a quelque chose qu'on ne comprend pas très bien. Mais en tout cas, on n'avait que deux candidats officiels En Marche, même si tous étaient macroniens, Olivier Serva et... Diana Perrin. Diana Perrin a été plus ou moins imposée, on le sait maintenant, par le maire du Gosier, cadre du GUSR. Et Olivier Serva est quelqu'un... Contre l'avis de Jacques Gilles, il faut le dire. Tout à fait, au départ en tout cas. Oui. Et Olivier Serva est quelqu'un qui n'avait besoin de personne pour être imposé, qui s'est imposé quasiment lui-même, tant il s'impose déjà au sein du GUSR avec son mouvement important Ecosabim. Ce qui veut dire qu'Olivier Serva est un candidat en marche presque autonome, même s'il s'inscrit dans une unité de façade, à mon avis, avec la majorité régionale. Et le parti GUSR, lui, par contre, a absorbé le président de région parce que le mouvement ne s'est pas fait dans un sens. Un président qui gagne des régionales et qui impose son mouvement politique. On a eu un président qui a été poussé par un parti qui, de ce fait de sa victoire, est devenu ultra dominant. Oui. Mais qui vient de connaître un échec stratégique parce qu'il n'a eu pratiquement qu'une seule victoire et encore, puisqu'il s'agit d'Olivier Serva, comme je viens de le dire. Quant au président Ary Chalus, le président Ary Chalus est toujours manifestement dans un conflit politique avec l'ancien président de région et l'impact de la victoire de certains candidats soutenus aussi par l'ancien président de région et les socialistes, Max Mathiasin, Justine Bénin et Hélène Wecker, vraie candidate socialiste et victorieuse également, eh bien ça fait qu'aujourd'hui Victorin Lurel et les socialistes peuvent s'enorgueillir, même s'ils ne le réclament pas ou ne le clament pas
haut et fort, et vous aurez observé que Victorin Lurel est particulièrement silencieux, eh bien, ils ont trois électeurs qui peuvent pencher dans la balance pour les sénatoriales. Donc, on a un président de région qui ne peut pas dire qu'il a perdu, mais qui, en même temps, n'a pas prouvé qu'il avait un leadership et une influence suffisante pour battre les cartes, les distribuer et donner la main gagnante à qui il voulait. Alors, dernier petit, comment on dit au football, on fait une loupe, c'est le cas de Servat. Alors, vous savez qu'il a eu des problèmes sur l'homophobie il y a quelques semaines. En France, c'est un sujet qui est très, très, très sensible. Et inutile de vous dire que les lobbies de ce milieu-là en France aujourd'hui, d'ailleurs, l'ont fait savoir sur Twitter qu'il a attendu. Et la question qui se pose, est-il bien accueilli En Marche aujourd'hui? C'est la question qui se pose aujourd'hui. Et des retours que j'ai comme l'impression que le parti du président Macron ne souhaite pas être mis en difficulté à cause de cette question. Alors, bien malin celui qui pourra dire quelles sont la véritable nature des relations entre les députés guadeloupéens de la majorité présidentielle et les futurs, enfin les cadres, notamment Richard Ferrand, le futur patron de La République en Marche à l'Assemblée, et Emmanuel Macron. D'ailleurs, bien malin, celui qui peut dire quelles sont la réalité des relations entre le président de région, le président du parti GUSR et la galaxie Macron, ou en tout cas le point névralgique central formé du président et de son gouvernement. Ce que je sais, c'est que, comme vous l'avez dit, les attaques homophobes sont devenus de vraies plaies en termes de communication pour des hommes et des femmes politiques sur la scène nationale. L'avantage pour Olivier Servat, c'est que, hélas, une très grande partie de la presse et des hommes politiques et femmes politiques en France se désintéressent totalement de l'action, du rôle, de l'identité et de la notoriété des hommes et femmes politiques guadeloupéens, ou de l'outre-mer d'ailleurs. Donc il va sans dire que si ça a fait un buzz, un mauvais buzz, et si ça restera pour lui au niveau national comme un boulet, au niveau local, manifestement, ça n'aura aucun impact. Oui. Et je pense que l'état-major macronien d'Emmanuel Macron le sait pertinemment, et c'est la raison pour laquelle je parierais pour une relative tolérance pour Olivier Servat, qui par ailleurs, et je pense que Emmanuel Macron s'en est rendu vite compte, par ailleurs peut être amené à jouer un rôle par sa capacité, Olivier Servat, à être intégré dans des réseaux et à en créer lui-même et à avoir des idées, des projections. Je pense que c'est des quatre candidats celui qui a peut-être le plus d'ambition et un avenir plus, entre guillemets, prometteur. Donc on verra, mais je parie pour une relative tolérance vis-à-vis d'Olivier Servat. On espère pour lui. Alors, deux petits mots quand même sur ce qui s'est passé en France. Et déjà, bon, la sortie de Ferrand, on parle même d'une éventuelle sortie de Bayrou. Ça veut dire que, j'ai pas envie de dire le mot, mais qu'il y a un chirage déjà entre les Macroniens et le Modem. Alors, je crois que l'ADN même de François Bayrou, politique, est d'être en chirage avec plus ou moins tout le monde. Bon, il est connu comme ça, et je pense qu'Emmanuel Macron le sait très bien, qu'il gère François Bayrou depuis un moment. Mais François Bayrou est sorti de très loin. Il a eu du flair en ne se présentant pas, parce qu'il est relativement encore jeune, il en ne se présentant pas pour une quatrième candidature, il était tout seul. Maintenant, le MoDem a un groupe parlementaire. Oui. Et comme c'est un peu naturel, le poste de ministre qu'on lui a donné, lui-même, il va se sentir un peu à l'écart. Oui. Et je pense qu'il va petit à petit se mettre dans une situation où si ce n'est pas lui qui part, c'est lui qu'on poussera vers la porte. Ceci dit, Emmanuel Macron ne cesse de surprendre tout le monde par son habileté politique. On observe que pour l'instant, il a très bien géré cette difficulté qui n'a eu que très peu d'impact. Hein. Les affaires politiques judiciaires de Richard Ferrand et de François Bayrou qui ont eu très peu d'impact finalement sur l'élection. Emmanuel Macron est dans une dynamique victorieuse. La République en marche aussi, le MoDem aussi. Donc, il n'y a pas de raison qu'on aille vers des clashs violents. Et on le voit avec notamment Richard Ferrand, qui est un très proche et qui a été longtemps un bras droit d'Emmanuel Macron.
On peut même dire qu'Emmanuel Macron lui doit aussi une partie de sa victoire législative relativement importante quand même. Eh bien, il y a une exfiltration judiciaire puisque Richard Ferrand se trouve retiré tout en douceur du gouvernement pour occuper un poste très important, presque aussi important qu'un poste de ministre, celui de vraisemblablement chef de la majorité parlementaire. Ce qui ne va pas forcément arranger l'affaire de tous ces nouveaux députés se montrer très zélés et assez intègres, en tout cas au début, parce que pas encore politiciens, justement. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que ces affaires-là ne vont pas forcément freiner Emmanuel Macron. On se rend compte que c'est quelqu'un qui arrive très bien à gérer ces différents couacs. C'était plus difficile quand il était candidat. Maintenant, président, ça devient beaucoup plus facile. 13h19, un dernier mot, et on revient sur la politique de la Guadeloupe. Alors, je vous disais tout à l'heure, et vous l'avez dit, qu'Abimaou, M. Mathiasin, il a cartonné. Bien sûr, ça a étonné, semble-t-il, Harry Chalus. Et on a comme l'impression que le maire, Mme Polifonte, va payer les pots cassés. On a le sentiment que ça ira jusqu'à poussage à l'extérieur, remise en question de sa position de maire. Est-ce que vous sentez quelque chose comme ça ? Je pense qu'il est très difficile d'expulser un maire. Sans gros tapage médiatique, on n'est pas encore là concernant Mme Polifonte. Et surtout un maire qui est appuyé par quand même le président de région. Oui. Alors certes, le président, je disais, je sais pas si c'est sous votre antenne, mais je disais qu'on verra bientôt quelle est la différence entre le Harry Chalus de la région et le Harry Chalus de Bémao. Une chose est sûre, c'est que il va s'intéresser à cette commune parce qu'il y tient d'abord, et puis ensuite par fierté politique naturelle chez les hommes politiques et les femmes politiques. Et je crois que il ne faut pas forcément craindre comme ça une expulsion du maire. Bon, après, les choses peuvent vite survenir, mais en Guadeloupe, vous savez, une majorité municipale de nos jours, c'est devenu presque incontrôlable. On l'a vu dans d'autres communes. Donc, reste à savoir comment les choses vont être gérées. Mais si elles ne sont pas gérées et qu'on en arrivait à cette solution très rapidement mise en minorité, donc des capacités pour Hélène Polifonte de pouvoir rester maire de la commune de Bémao, ça serait un très très mauvais signal envoyé et pour cette commune, et pour les autres communes, et pour le président de région qu'est Harry Chalus, et qui est donc l'ancien maire de Bémao. Je crois donc qu'il a vraiment les moyens de faire en sorte d'aider son ex-adjointe au maire, et qu'il a les moyens aussi de faire cesser cette fronde. Maintenant, il faut connaître surtout les raisons, et c'est ce que je vous disais, pour le moment, vous voyez, les raisons ne sont pas encore bien connues, et il n'y a pas encore eu vraiment de tapage médiatique. Bien, ben merci Didier. Alors Didier, c'est votre avant-dernier dernière séance de décryptage, parce que je crois que vous allez prendre des vacances aussi. Oui, des vacances plutôt méritées. Tout cas, j'ai beaucoup apprécié le travail, la collaboration que nous avons eue. Et c'est vrai qu'avec d'autres comme Pierre-Yves Chicot ou Georges Calixte, nous sommes vraiment très honorés de pouvoir contribuer à faire en sorte de mieux expliquer, de mieux éclairer, de participer surtout à la qualité du débat public. Et il faut que les téléspectateurs et les citoyens de façon globale le sachent, même si nous sommes à une époque où eux-mêmes arrivent à s'éclairer tout seuls, très facilement, mais il ne faut pas que le débat public dépérisse, ni même qu'il soit nivelé. Il faut, quelle que soit la qualité des hommes et des femmes politiques que nous avons, il faut que nous ayons tous conscience que c'est collectivement et avec les médias bien évidemment, que nous pourrons à chaque fois élever le niveau du débat et donc nous approprier vraiment des enjeux très importants qui nous attendent et dans lesquels nous sommes déjà, et il n'y a que la politique pour les régler. Ben, je vous remercie. En tout cas, la collaboration se poursuivra à la rentrée sur une forme qu'on déterminera, bien sûr. Avec plaisir. Et je vous recommande l'édito de M. Didier Létouche, maître des conférences, qui est dans le dernier numéro du CCN, de Caribe Creole News. C'est en ligne, vous pouvez le lire. Voilà, on revient à l'actualité la plus immédiate avec Mendy, les 13h23. Oui, je vous le disais, ce matin, c'était la fermeture des écoles du Gosier, les écoles primaires.
primaire du Gosier au Bourg, les parents, les professeurs, certains personnels de mairie avaient rendez-vous ce matin devant la mairie. Ceci afin de manifester leur mécontentement, je cite, face à l'inaction et à l'incompétence de la mairie en matière d'éducation. Selon eux, la mairie a la possibilité de revenir légalement sur la semaine de cours de 4 jours, permettant ainsi aux enfants de pouvoir souffler le mercredi à la maison, mais ne souhaite pas revoir son organisation alors qu'à l'heure actuelle, d'autres communes du département ont fait le choix de revenir donc sur ces emplois du temps. Mais on le fait le point avec ce reportage signé Anne-Elisabeth Arsène. Pour le retour à la semaine des cours. Nous savons pertinemment qu'aujourd'hui, grâce à un décret qui va se mettre en place le 23 juin, nous avons la possibilité d'un retour à la semaine des 4 jours. Nous avions signifié à l'ensemble des municipalités notre désir d'audience justement pour leur expliquer la situation et faire de telle façon effectivement que ce retour soit effectif dès septembre 2017. Nous avons reçu de la part de la plupart des municipalités qui nous ont reçu visiblement un avis favorable à ça. Mais nous ne comprenions pas qu'aujourd'hui, au niveau de la municipalité du Gosier, il y a un blocage. Et c'est ce blocage-là qui a amené les parents d'élèves, qui a amené les enseignants à nous demander justement de les soutenir et de mettre en place cette journée de grève. Là où on est très déçus, c'est que alors qu'à Nice, Marseille, même Fort-de-France, on semble être en capacité de mettre en place cette semaine des 4 jours, le Gosier s'encaboute sur des modalités que nous ne comprenons pas. D'ailleurs, la plupart des parents et même nous, les organisations syndicales, nous leur avons signifié qu'ils pouvaient émettre la semaine des 4 jours et regrouper l'ensemble des activités périscolaires le mercredi. Et visiblement, il y a une volonté de blocage de la part de la municipalité. Donc aujourd'hui, plus que jamais, nous sommes déterminés. Les assemblées générales vont se mettre en place école par école. Nous allons déposer aujourd'hui donc un préavis de grève reconductible pour lundi prochain. Et nous espérons que cette fois-ci, la municipalité nous entendra. Eh bien, on a remarqué que depuis la mise en place de ces nouveaux horaires, on a des enfants plus fatigués, des enseignants plus fatigués. On se rend compte que ça ne fonctionne pas. Tout le monde sait que ça ne fonctionne pas. Et on voulait savoir à quelle sauce on allait être mangé à la rentrée de septembre. Donc aujourd'hui, non, pas de réponse. Le représentant de la mairie a clôturé la séance lorsqu'il avait fini de dire ce qu'il avait à dire. On a eu des avis politiques, des réponses politiques, mais rien de concret. Et c'est malheureux parce que c'est un sujet, je pense, qu'il est important de traiter en effectif pour que nos enfants ne soient pas lésés. Et là, en fait, on est en train de nous dire, vous savez, la lourdeur du système va faire que vos enfants, ils passent en se complant. Donc aujourd'hui, nous, on dit non. Nos enfants, c'est maintenant qu'on veut savoir comment ça va se dérouler. Est-ce que tous les matins, il va falloir qu'on secoue nos enfants comme des pruniers parce qu'en fait, ils sont fatigués, ils n'en peuvent plus. Ça fait un moment que tout le monde le crie à corps et à cri, et je pense que même on en conscience. Maintenant, il faut donner des réponses concrètes. Voilà. Et ce matin, c'était la sortie de la bande dessinée La Fugue, réalisée par les élèves de SECPA du collège de Front de Mer. Il avait été réalisé durant toute l'année scolaire 2017. Il a été présenté au CDI donc ce matin, un projet qui est financé par la DAC et la Fondation Samsamar, et dont je le disais, qui a été mené tout au long de l'année scolaire sous forme d'ateliers animés par un intervenant, monsieur Djibril Sukab, ainsi que les enseignants de la classe, donc ses élèves. Je propose de faire le point avec ce reportage tout de suite signé Nicolas. Aujourd'hui, nous étions réunis dans le centre documentaire du Collège Front de Mer pour assister au lancement d'une bande dessinée, La Fugue, qui a été imaginée, scénarisée, écrite par des élèves de SECPA, essentiellement des élèves de 5e. Alors, ce sont des élèves qui étaient partie prenante d'un projet, Bulle en mer, qui a été financé par la DAC et par la Fondation Samsamar. C'est un projet qui est né de la volonté de l'équipe pédagogique d'inciter les enfants à s'investir dans des activités de production d'écrits. C'est un projet qui était, était fait pour les élèves, pour pouvoir leur permettre en fait, de parler d'eux, de parler de leur vie, mais d'une façon nouvelle, qui est la bande dessinée. Première fois, on a fait, et il nous a donné des autos, il nous a donné des feuilles. C'est déjà que je dessinais, mais il fallait le repasser au feutre. Il fallait dessiner ça dans autoportrait. J'ai fait juste dans la PD le dessin, la couleur des personnages pour qu'ils s'habillent.
Et voilà. Plusieurs difficultés aussi que j'ai éprouvées, que j'ai ressenties, notamment dans la concentration, dans la discipline, dans certaines choses aussi qui sont vraiment au niveau scolaire aussi, certaines difficultés au niveau scolaire. Mais finalement, les élèves, avec beaucoup de volonté, de solidarité, ont vraiment réussi à répondre, à relever ce défi et donc à produire une bande dessinée, à produire une histoire qui parle d'eux, qui est l'histoire d'un élève qui, ayant des difficultés de comportement, s'est fait renvoyer, affugué et finalement retourne vers ses parents, retourne vers ses professeurs. On est tous fiers de ce qu'on a fait. On a, comme on est à SECPA, on a pu montrer aux gens qui sont normaux qu'on peut, nous aussi on peut faire des choses. On a fait chaque séance, on a trouvé des idées, on a réalisé et voilà. Les enfants se sont vraiment investi. Ça a été un peu laborieux au début puisque ce sont des élèves en difficulté scolaire qui ont du mal à se mettre en avant, à se motiver. Mais par la suite, quand ils ont commencé à avoir les premières planches sorties, ils ont été vraiment contents du résultat et se sont totalement investis. Ouais. Dans le cadre de notre travail au CCE. Ça y est, c'est l'heure de la publicité. Restez à notre écoute. Il est déjà 13h29. On se retrouve et on ne sera pas seul. On sera avec Suzy Zosio. À tout à l'heure. Retour de plateau sur le ZCL avec RHT, Radio Haute Tension, que Suzy connaît bien. Bonjour Suzy. Bonjour David. Qui est de retour et qui doit faire de la respirologie. Tout à l'heure, bon, on va tous moquer d'elle. Et donc, on va faire un petit rappel des titres très rapidement et puis on va attaquer les deux avant-derniers sujets. C'est ça. Voilà. C'est ça. Et on retourne sur Zitel. Oui, alors je vous le disais, suite à plusieurs demandes de réouverture de négociations faites par l'UTC UGTG et un refus volontaire de la direction de route de Guadeloupe, eh bien, la CGTG et l'UNCA a déposé une plateforme de revendication concernant la dernière grève qui datait du 15 mai dernier. Et ce matin, c'était la sortie de la bande dessinée La Fugue, réalisée par les élèves de SECPA du collège Front de Mer. Une présentation qui a été faite tout au long de l'année sous forme d'atelier animé par un intervenant, Monsieur Djibril Sukab. Et enfin, conformément à la stratégie de la collectivité départementale visant à promouvoir la culture, Madame Borel-Incertain s'est rendue sur le chantier donc, du musée départemental Chercher de Pointe-à-Pitre. Et on continue tout de suite avec ce sujet, les métiers du bois. Oui, en 2016, le Conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement avait demandé à Laurent Vaitilingon de réaliser un ouvrage de vulgarisation valorisant les essences locales et les utilisations pouvant en être faites. Et bien c'est ainsi qu'à partir d'une sélection d'espèces remarquables, la brochure intitulée « Bois et ouvrages de Guadeloupe » a été réalisée. Et justement, une conférence avait donc lieu ce vendredi dernier au siège du Crédit Agricole des Abîmes, où donc l'auteur a pu présenter son ouvrage, un reportage signé Michel Terrasse. Dans le cadre de notre travail au CCE, on a prévu justement de nous associer à l'exposition qui aura lieu à Pointe-Noire et de faire de Pointe-Noire, Pointe-Noire, capitale du bois. Que ce soit au niveau Caraïbe, que ce soit au niveau mondial, capitale du bois tropical en tout cas. Pourquoi Pointe-Noire? C'est une évidence. Tous les charpentiers, les bons charpentiers, les bons ébénistes, les constructeurs de voies d'art qui concerne le bois sont à Pointe-Noire. Pointe-Noire a toujours été la capitale du bois et on fera en sorte au CCE, avec l'aide du Conseil régional, bien sûr, puisque c'est le Conseil régional qui nous donne les moyens de travailler, on fera en sorte qu'au CCE, on puisse aider à ce que Pointe-Noire devienne la capitale du bois, mais une capitale culturelle. Et dans ce sens, nous allons préparer un dossier que nous soumettrons à l'exécutif de la région Guadeloupe pour la création du Palais du Bois à Pointe-Noire, qui sera une réalisation chère en tout cas aux artisans
et qui pourra donner ses, les lettres de noblesse de l'art du bois à Pointe-Noire. Et le slogan, ça sera partout pour nous, en tout cas, Pointe-Noire, capitale guadeloupéenne du bois. On a été invité par le Crédit Agricole en tant qu'artisan des métiers du bois de Pointe-Noire. Et puis nous sommes invités par rapport à la fête du bois de Pointe-Noire qui aura lieu le 7 au 9 juillet 2017 au Hall d'Expo. Nous, en tant qu'artisans, nous avons présenté un lit en design sur deux tons. Et puis il y a des tiroirs, puis c'est très moderne, très intéressant. Je vous encourage à venir voir le lit, comme ça vous aurez plus de détails. Le lit sera exposé au Hall des Sports de Pointe-Noire le 7 au 9 juillet 2017. Et on ne fait pas seulement de lit, on fait tout, des escaliers, salle de bain, agencement de salle de bain, cuisine, etc. Bon, on a quelques petits produits. Bon, vous savez, quand vous allez venir à la fête du bois, voilà, vous allez voir vraiment la totalité. Mais là, pour l'instant, on a amené juste quelques meubles. Comme ça, vous pouvez voir un peu ce qu'on peut réaliser pour la fête du bois à Pointe-Noire. Et moi, je suis ébéniste à Pointe-Noire, José Pindy, ébéniste à Pointe-Noire, depuis quelques années. Et je participe à tous les salons. Et là, maintenant, je serai présent pour la fête du bois à Pointe-Noire. Comme je vous le disais en titre, conformément donc à la stratégie donc du conseil départemental visant à promouvoir la culture et à renforcer l'attractivité touristique des sites patrimoniaux donc du département, la présidente donc Madame Borel-Lincertain s'est rendue hier au musée Schellcher de Pointe-à-Pitre afin de faire un point d'étape sur le chantier d'extension de cet important établissement culturel de l'agglomération pointoise. Notez que ce sont encore prévus 18 mois de travaux qui vont donc permettre à terme au musée d'augmenter sa surface d'accueil et de renforcer sa place centrale parmi les musées départementaux. On regarde ces images signées Jeff Taylor. Oui, à chaque étape, je viens de le dire, je serai présente pour voir un peu l'avancée des travaux parce que nous nous sommes donnés comme date butoir en septembre 2018. Donc, il faut obligatoirement que nous puissions accompagner les travaux, être là présent et regarder l'avancée des travaux. C'est une rénovation, au-delà même d'une rénovation, c'est aussi un agrandissement du musée, donné au musée une autre fonction, être beaucoup plus accessible aussi aux personnes à mobilité réduite, donner des conditions de travail au personnel qui sont de véritables interventions au niveau aussi des scolaires, les accueillir, faire le lien avec la bibliothèque municipale qui est de l'autre côté de la rue. Donc créer vraiment un ensemble où les gens, quand ils viennent, ils font un véritable parcours de découverte de ce musée Schellcher, avec, je dirais, des dalles, avec aussi la mise aux normes, parce que c'est aussi permettre une mise aux normes de ces bâtiments qui ont quelques années. Donc aujourd'hui, un ouvrage compliqué, complexe, je dirais, surtout un milieu urbain où il y a une bonne circulation avec la fragilité du terrain. Donc vraiment, les entreprises sont en train de faire des merveilles, sont en train aussi d'expérimenter vraiment de nouvelles pratiques, des pratiques qu'on utilise ailleurs déjà, mais qui sont nécessaires pour réaliser ce bel ouvrage. Les travaux sont en très bonne voie. On est pratiquement à un an de travaux et il en reste encore une année, donc 24 mois de travaux pour réaliser ce travail qui va permettre au musée Schellcher d'être quatre fois plus grand, d'accueillir les visiteurs dans de bien meilleures conditions et surtout de leur proposer des nouveaux services culturels, des expositions temporaires, des conférences, des ateliers pédagogiques, des ateliers de création et puis un parcours permanent aussi entièrement renouvelé avec une nouvelle scénographie beaucoup plus moderne, alliant de nouvelles collections et des supports multimédia. Et une dernière information, Danick, avant de... Deux informations, oui. Alors, je viens de recevoir ce poste. Le Martinique et Patrick Bosselin, récipiendaire d'un Lifetime Award Achievement. La Ford Award Achievement, c'est un prix qui est une distinction la plus prestigieuse qui honore les professionnels de longue durée par la CTO. La CTO, c'est la Caribbean Tourism Organization. Alors, pourquoi il est honoré? C'est parce que, justement, sa carrière a vraiment marqué la Caraïbe. Il a fait réaliser un certain nombre d'ouvrages
d'ouvrages, pardon, de documentaires sur ces régions, sur la Caraïbe, et c'est la raison pour laquelle il a été honoré. Autre chose, c'est la sortie en librairie de Grappe Coco, c'est un ouvrage de Madame Henriette Nadir Kouzak, c'est un ouvrage justement qui aborde les questions de santé, qui est intéressant, sur lequel il faut se poser. Alors, je voulais saluer notre amie Suzy. Bonjour, Suzy. Bonjour. Tout va bien ? Très bien. Et qu'est-ce qui se prépare là, en Bafeille ? Alors, une merveilleuse journée. Oui. Donc, la journée chrysalide qui va se dérouler le 8 juillet. Oui. Donc, à vos agendas. Le 8 juillet, en général, c'est après le 7 juillet. En effet, c'est bien cela. D'accord, on a bien noté. Voilà, donc ce sera le 8 juillet, donc oui. De 9h à 20h. Hein. Toute une journée, en fait. Toute une journée, oui. La journée chrysalide. Donc, notez sur vos agendas, venez nous rencontrer, venez rencontrer l'équipe chrysalide. Alors, la journée va se dérouler comment ? Ben, dès 9h avec un petit déjeuner qui sera offert. À base de quoi, le petit déjeuner, ce sera... on va vous faire tester la pâte à tartiner chrysalide. D'accord. L'anti-Nutella, là, hein ? Absolument. Oui. Absolument. D'accord. Donc, différentes versions. Hein. Donc, je rappelle que c'est une pâte à tartiner qui est élaborée à partir de noix de cajou nature. Hein. Donc, ni grillée ni salée, du bon cacao, du miel... du lait de coco, mais on fera différentes versions, variantes pour satisfaire la population. Donc ce sera sur du pain et ce sera un petit déjeuner qui sera offert. On aura d'ailleurs, Suzy, la semaine prochaine en exclusivité, Mendy et moi, l'occasion de déguster. Absolument, oui. Et vous verrez en live les réactions et comme ça, vous verrez si c'est bon ou si c'est pas bon. D'accord. Donc ce seront mes cobayes. Bon, la semaine prochaine, voilà, Danick et Mendy seront mes cobayes. Ah bon? Si elles nous encouragent, moi, là. On aura des témoins, en tout cas. Oui, en direct. Moi, oui, en direct. Bon, c'est pas grave. On prend le risque. Donc voilà, donc ce sera un petit déjeuner qui sera offert par nos partenaires, puisque nous avons des partenaires qui nous accompagnent durant cette journée. Donc par la GMA et la CICALPG, puisque vous aurez également une banane offerte. Ah, voilà. Une banane, une seule. Voilà. Non, quand même pas. Ah, quand même, d'accord. Oui. On t'y patte. Voilà, voilà. Mais c'est une journée qui sera riche en couleurs, puisque vous aurez des fruits offerts par Croque Saveur et Guaflore. Donc des fruits en tout genre, des paniers de fruits à gagner également, hein, puisqu'il y aura des quiz qui sont posés. Et puis il y aura aussi un stand, un atelier fabrication de galettes pendant toute la journée. En continu, il y aura une jeune femme qui va fabriquer. Donc on peut venir au levant trop vite. Non, mais je pose la question. Attention à la réponse, hein, parce que. Et puis, ça me fait penser à quelque chose. C'est vrai que c'est la saison des mangues. Oui. Donc, moi, j'aimerais passer cet appel. Tous ceux qui ont des mangues qui gaspillent chez eux, ramenez un paga, un kaba, pardon. Comment ? Mangue qui a gaspillé à raison. Moi, je jetais des tonnes de mangues tous les matins. Non, c'est vrai. Hein. Ah non, mais c'est dingue que vous osez dire ça. Mais non, depuis des années, là où j'habite, j'ai deux mangues. Et cette année ? Mais ça vient de se terminer, la semaine dernière. Les derniers au mangue sont terminés. Mais si on te dit ensemble, voilà. Mais cette journée aussi, ce sera la journée du partage. Oui. Donc si vous avez des fruits en trop, à profusion, ramenez un cabas. Je porterai des mangues. Comme ça, nous, on va partager avec ceux qui n'en ont pas. D'accord. Voilà. Et des caramboles. Je porterai des mangues et des caramboles. Ah ben c'est super. Il y aura un espace dédié à ce partage. D'accord. Et ce sera l'occasion de découvrir peut-être d'autres fruits et de faire profiter à ceux qui n'ont pas l'opportunité d'en manger. Petit déjeuner, galette, ensuite, nuit, on fait quoi encore ? Alors, il y aura des conférences aussi. Oui, hein. Il y aura toute une matinée de conférences avec nos intervenants. Donc, il y aura le docteur Henri Joseph, il y aura le docteur Atala. Le docteur Zosio, ils ne sont pas là. Ils sont pas là. Oui, présente. Elle sera là quand même. Oui, dès 6h du matin, je pense. Oui, elle sera là, d'accord. Jusqu'à 20h. Bon, plus okay. Même, voilà. Et puis il y aura également Yvon Joseph qui nous parlera des arbres fruitiers en pot. C'est la nouvelle alternative en fait. Hein. Des donc, arbres fruitiers en pot, voilà. Oui. C'est possible de faire fructifier un manguier en pot, voilà. Et donc il nous donnera. Jusqu'à quelle hauteur ? Alors, hauteur d'homme, hein, hauteur d'homme. Comme ça, environ hauteur d'homme. Ouais. Et il peut. Il fructifie, oui. Fructifier ? Oui, j'en ai déjà mangé d'ailleurs. D'accord. Et l'avantage, c'est qu'on peut les cueillir.
Ok, ah oui, ça au moins. Sans forcer. On ne peut pas se coucher dessous. Oui, bon, voilà. Et puis, donc ce sera nos conférenciers. Il y aura des animations sportives, des activités physiques avec un coach sportif qui va nous montrer c'est quoi l'activité physique et comment faire des petites activités physiques à la maison. Il y aura également à 16h une grande conférence spectacle, une conférence show avec Tatien Braz qui viendra animer nos conférences sur la thématique donc de pourquoi on grossit. Et cette journée est sous le signe d'un concept qui s'appelle Prends du vent pour santé. Alors je pose une question qu'une téléspectatrice de Vieux Habitants m'a posée juste avant de venir. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas grossir ou en termes d'éducation rapide, en termes d'éducation alimentaire, très rapidement. Équilibrer son assiette. Oui. Voilà. Pas de régime, mais équilibrer son assiette. Voilà, pas de régime, équilibrer son assiette. Mais encore faudrait-il savoir comment équilibrer son assiette. Oui. C'est-à-dire que sur la moitié de l'assiette, il faut avoir des légumes crudités. Sur la moitié. Légumes crus ou légumes cuits. Peu importe. Oui. Crus, cuits, en tout cas sur la moitié de l'assiette. Oui. L'autre moitié se répartit entre féculents, protéines et graisses. Important. Oui. Donc, si on arrive à équilibrer son assiette ainsi, alors quand je parle de graisse, ça peut être les avocats quand c'est la saison. D'accord. Ça peut être des amandes. Mais s'il n'y a pas tout ça, eh bien, il ne faut pas hésiter à badigeonner son repas d'huile d'olive et de colza même. D'accord. Donc, un filet généreux d'huile d'olive associé à l'huile de colza ou même en alternance. Autre question, Suzy, est-ce qu'il faut, après un repas, boire de l'eau glacée? Mais d'une manière générale, il vaut mieux boire l'eau à température ambiante. Normal. Voilà, pas glacée. Pas glacée. Non. Parce que ça durcit les bon, huiles c'est, à l'intérieur. C'est, bon, ouais. c'est facilement imaginé ainsi. Mais de toutes les manières, faut savoir que il y aura une différence de température qui va certainement que notre corps ne va pas apprécier, tout simplement. Ouais. Voilà. D'accord. Donc autant vaut mieux boire l'eau à température ambiante. Voilà, et pas la boire à température. Autre question, jus de fruits ou soda? C'est le quiz bête. Non, mais en fait, il y a une préparation là, c'est ça, il y a eu des questions de préparer. On m'a donné des questions, je vais poser ces questions-là. Alors moi, je pose, même si on connaît les réponses. Alors, je vais répondre. Oui. Si on est dans une démarche de perte de poids, ni l'un ni l'autre. Oui. Ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre. Pourquoi? Ni jus de fruits, ni soda. Jus de fruits, ni soda. Parce que tout ce qui est sous forme liquide s'absorbe très rapidement. Et tout ce qui s'absorbe rapidement... Se stocke aussi rapidement. C'est-à-dire que tout ce qui est sucré et qui se consomme sous forme liquide, le sucré qui est issu de ce jus va s'assimiler très rapidement. Donc, d'accord, ce qu'il faut limiter lorsqu'on cherche à perdre du poids ou à stabiliser son poids, c'est d'éviter les fluctuations de la glycémie, c'est-à-dire le taux de sucre dans le sang. Et il faut savoir que lorsqu'on boit un verre de jus, eh bien, on peut faire augmenter sa glycémie très rapidement et très haut. Même un jus de céleri. Ah non, mais j'ai bien parlé de jus de fruits, par contre. Hein, oui. D'accord. Les jus de légumes, c'est autre chose. C'est préférable de faire les jus de légumes. D'accord. Préférable. Puisque dans ces légumes, on a des molécules protectrices. On les appelle des molécules antioxydantes. Mmh. Elles ont un intérêt très important pour notre santé, même au niveau de notre immunité. Donc, il faut vraiment en consommer. Et les consommer sous forme de fruits permet au corps de mieux assimiler ces molécules protectrices. Alors hier, Suzy, là, ce n'est pas une question de téléspectateurs, nous avons reçu une association qui organise la fête du fruit à pain au week-end prochain. Est-ce que le fruit à pain rentre dans la catégorie des légumes intéressants du point de vue de l'alimentation? Absolument. Mais absolument, le fruit à pain, vous pouvez le consommer comme un féculent, parce que c'est un féculent, il y a de l'amidon dedans. Donc, vaut mieux quand même le cuire. Son indice glycémique est très bas. Alors, son indice glycémique va varier en fonction de la cuisson et de la maturité. Mais ça peut quand même atteindre 60, sachant que le... Moins que la pomme de terre, quand même. La pomme de terre, c'est... Oui, c'est moins que la pomme de terre. La pomme de terre, c'est plus que 70, c'est 80 même. Voilà. Okay. Mais tout dépend de la cuisson, cela dit. Alors donc, revenons, journée chrysalide le 8, c'est-à-dire après le 7 juillet, le 8 juillet, c'est à Gaël, mon fils. Voilà, ce sera Gaël, mon fils, et puis on va terminer à 17h30 par une Zumba.
Ah, une Zumba. Voilà. Ben, ZTL sera là pour pouvoir filmer ça et montrer ça la semaine après. Et on prend rendez-vous pour mardi prochain, Suzy ? Absolument, on prend rendez-vous pour mardi prochain. On vous donnera davantage d'informations sur cette journée qui se prépare et qui s'annonce superbe, riche d'informations, puisque l'objectif de la journée, ce n'est pas de faire un village santé, hein, c'est de vraiment répondre de manière concrète à la question suivante. Comment faire pour rester en bonne santé? Donc, concrètement, on vous montre, on vous explique de manière théorique, mais dans la pratique, on est aussi présent. D'accord. Ben, on sera tous là. Et même Mendy sera là, d'ailleurs. Elle va animer un stand. Bien, alors, il est 13h54 minutes. On continue, Mendy, il y a un dernier sujet. Oui, on fait un petit retour du côté de la Poule Art Fair, ce salon international d'artistes qui présentait sa 8e édition en Guadeloupe et la 4e au terminal de croisière. Et bien, originellement créé pour servir les artistes, le salon a accueilli aussi bien des professionnels de l'art tels que des galeries. Aujourd'hui, c'est une soixantaine de stands et plus de 100 artistes qui sont représentés. Et justement, il y avait donc un atelier pendant ce salon, un atelier intitulé « Avoir un œil, découverte du métier d'iconographe », atelier animé par Joël Ferly. Un reportage signé Michel Zeras. Atelier d'iconographie, avoir un œil, que j'ai proposé à la Poule Art Fair 2017 et a pour objet de former un petit peu les participants à l'éducation du regard, puisque c'est là, sur ça que repose le métier d'iconographe. Et je suis très contente de cette participation de plusieurs personnes, puisque certaines n'avaient jamais mis les pieds à la Poule Art Fair, alors que la Poule Art Fair en est quand même à sa 8e édition. Et très clairement, ils découvrent un nouveau métier qui est en lien avec la photographie et l'iconographie. Et je pense que c'est porteur pour la jeunesse. C'est pas la première année que je participe à la Poule Art Fair. Je suis connue pour être également conférencière et artiste, mais c'est la première fois que je propose cet atelier dans le sens d'en faire la promotion de la formation que je propose à la Cité des Métiers. Les participants sont très enthousiastes de découvrir un petit peu ce nouveau métier qu'ils ne connaissaient pas pour la plupart, et je pense que c'est un petit peu à nous, formateurs, de diffuser beaucoup plus la réalité de nos métiers, parce que je me rends compte à quel point en Guadeloupe on a tendance à cantonner la jeunesse vers certains métiers qui sont des métiers dit un petit peu subalterne, alors que justement ces métiers de création sont pour moi très porteurs, puisque le Guadeloupéen en général et de manière générale tout individu a une part de créativité immense. Donc c'est à nous un petit peu de révéler cette créativité en les amenant sur des métiers beaucoup plus intéressants pour eux. C'est un salon qui est riche, varié, diversifié, très fréquenté, qui représente un ensemble de pratiques artistiques très ouvertes, d'artistes de Guadeloupe, de Martinique, des Antilles en général, du monde créole, mais au-delà, puisqu'on voit des artistes qui viennent un petit peu du monde entier. Donc c'est un bel échantillonnage de la création artistique d'aujourd'hui. Il y a certainement plusieurs objectifs à cette invitation. Le premier, c'est de la part des organisateurs du salon et donc de Thierry Allais, de m'inviter à donner une conférence sur l'artiste Jean-Michel Basquiat, puisque est à l'honneur aujourd'hui du salon cette année Haïti, pays invité, mais aussi je suppose que c'est en filigrane un moment privilégié pour moi de faire la rencontre de plus en plus fine et intéressante de la scène artistique antillaise au moment où elle se retrouve réunie pour partie, mais une partie importante, à l'occasion de la Poule Art Fair. Cette formation m'a apporté le fait de, en fait, tous les renseignements sur ce qu'il faut faire quand on prend des photos, comment les choisir et puis comment les référencer, où aller les chercher. Et voilà, c'est des choses que je ne savais pas du tout, puisque bon, je prenais des photos ou j'allais aussi sur Internet, je regardais. Et là, elle nous a vraiment appris le choix par rapport aux articles ou par rapport aux sujets qu'on va traiter, comment être pertinent, quoi. Alors, juste pour faire une toute petite précision, l'ouvrage Grappe de coco est sorti aux éditions Jazor, bien sûr, et il évoque les injustices, surtout dans la Caraïbe, et toutes les violences, dont les cancers, effectivement, je l'avais dit. Sinon, je vous rappelle que le Magnum Band sera donc en Guadeloupe le 24.
Et bien sûr, Mendy sera là, puisqu'elle aime le compas. Il y aura Quaxicolor aussi. Il y aura Quaxicolor. Ah, elle viendra pour Quaxicolor plutôt que pour Magnum Bond. En tout cas, Magnum Bond, c'est un orchestre qui a fait ses preuves. Suzy, tu connais Magnum Bond? Oui, bien sûr. Et tu aimes le compas? Eh bien, tu sais, j'ai été bercée par le compas. Elle a été bercée par le compas. Donc, il y aura des tickets à gagner demain. À ces autres-là, nous aurons une chance de trouver des tickets à gagner pour le concert Magnum Bond qui se fera donc à l'espace Paul Chonchon, me précise la compas girl qui est Mendy. Voilà, il est exactement 13h59 minutes, on a fini à temps. Parfait. Cédric n'a rien à dire. Rien à dire. Il n'est même pas là. Mm-hmm. Bon, réalisation. Zébris. Oui, avec oui. Un Z. Oui, avec un Z. Un Z. D'accord. Bien, mais c'est fini. On se retrouve demain. Voilà, demain. Bon appétit si vous êtes encore au top, ce qui m'étonnerait.